Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200. Bon, je fais cette vidéo là suite à toute la polémique qu'il y a par rapport aux vidéos qui sortent, on voit, voilà. Bon, vous avez dû voir ça. Déjà, je tiens à préciser, c'est des vieilles vidéos, c'est des vidéos qui datent, c'est des vidéos que jamais, moi, que j'ai mis sur internet, c'était une plane entre Sahab, on se les envoyait entre... Alors évidemment, ça a choqué énormément de gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais la vidéo, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent des nues, qui font les vierges effarouchées alors qu'ils l'ont fait, qu'ils le font et qu'ils le font. Donc je vais commencer à m'adresser aux gens que j'apprécie énormément, aux gens que j'ai pu décevoir, aux gens qui ont bougé pour moi, aux gens qui m'ont accueilli dans leur quartier. Donc à toutes ces personnes-là qui me suivent, que je considère comme une seconde famille, à toutes ces personnes, je m'en excuse. Je m'excuse que ces vidéos-là sont arrivées. Donc wallah, à tous ces gens-là, je m'excuse de toutes mes tripes. Je vous ai mis dans l'embarras. À cause de moi, on vous pointe du doigt parce que vous avez pris ma défense sur certaines positions que j'ai. Donc voilà, pour tous ces gens-là, pour toute la merde que j'ai fait qui leur éclabousse au visage, parce que c'est un dommage collatéral aussi pour eux. J'ai fait des vidéos pendant 2 ans sur des sujets épineux. J'ai pris des positions qui ont fait que ça a pu créer la division, mais la bonne division. Donc malgré moi, je suis devenu peut-être un exemple pour les plus petits, ou je suis devenu une personne que les gens aiment bien suivre avec les positions que j'ai. Alors que dans toutes les vidéos, j'ai jamais dit que j'étais un exemple, j'ai toujours dit que j'avais mes défauts, j'avais mes qualités, comme tout le monde. Avec mes vidéos, j'ai pointé du doigt, j'ai affiché des gens, j'ai frustré des gens, j'ai fédéré des gens, j'ai séparé des gens. Donc, message à tous ces clochards, à tous ces haineux, à tous ces hiboux perchés sur une branche qui m'attendaient au virage, qui sont là en me disant « tu faisais l'imam, blablabla » et tout le reste. Je vous écoute pas, je parle pas avec vous, je vous réponds pas, votre avis, je m'en tamponne, parce qu'avec vous, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, pour toutes ces personnes-là à qui j'ai cassé le cul en vidéo parce qu'ils se sont reconnus, à toutes ces personnes-là qui faisaient des doigts le soir pour que je tombe, dansez et levez votre verre. Vous pouvez reprendre une activité normale. J'ai fauté parce que j'ai fait confiance à des gens. J'ai fauté parce que j'étais ouest-ouest dans ma tête. J'ai fauté parce que oui, toutes ces histoires m'ont monté à la tête. J'ai pas le choix d'accepter la punition de Allah parce que oui, à un moment, j'ai joué avec le dîme aussi. J'insultais, je disais des paroles d'Allah, je faisais n'importe quoi. Donc Yallah, samhini, samhini pour ma langue, samhini pour ma bouche, samhini pour avoir joué moi aussi avec le dîme dans mes pas. J'ai honte parce qu'avec toute la merde que j'ai faite, aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui paye. Si seulement c'était moi qui payais, il n'y a aucun souci, là-dessus je le mérite. J'ai honte parce qu'avec toute la merde que j'ai faite, aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui paye. Si seulement c'était moi qui payais, il n'y a aucun souci, là-dessus je le mérite. Donc du fond du cœur, je m'excuse en ma famille, je m'excuse en mon sang, je m'excuse en toutes ces personnes-là qui étaient derrière moi, qui me soutiennent à fond. Je m'excuse envers mes fils, je m'excuse envers toute la communauté, une grande partie de la communauté qui m'a toujours soutenu bec et ongles sur les positions. Je disais souvent que le Maghreb a sombré. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être le capitaine de ce navire qui a sombré. Donc avec toutes mes vidéos, avec toutes les prises de position que j'ai eues, les coups de colère, voilà, je suis devenu malgré moi, pour certaines personnes, un représentant. Donc à toutes ces personnes-là, je vous demande smeh. Smeh parce que oui, je vous ai mal représenté. Smeh parce que je reste un homme. Je vous demande smeh parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire de bonnes choses. Aider les gens à droite et à gauche, créer un petit mouvement. Parce que comme je le dis souvent, sans détonateur, la dynamite n'explose pas, et vice-versa. Donc merci d'avoir été là. Qu'Allah vous garde. Donc aujourd'hui, je comprends totalement la colère justifiée de toutes ces personnes-là. Et moi, je prends le temps de faire cette vidéo-là pour toutes ces personnes. Et pour les autres détracteurs qui écartent leur cul, alors qu'ils font comme moi ou pire que moi, je vous emmerde. Je vous emmerde et je vous emmerde. Aujourd'hui, il n'y a que les personnes qui étaient visées dans mes vidéos, qui étaient frustrées parce que la vérité, elle casse le boule. Faites la fête, mais faudra des cuverts. Donc, pour moi, les réseaux, ça suffit comme ça. Facebook, j'ai plus de compte Facebook, ça fait un mois. Tout ce que vous voyez, c'est des fakes. Tout ce qu'ils publient, c'est des fakes. Si j'ai pointé du doigt une certaine catégorie de personnes, alors que moi, je faisais comme eux, c'est que justement, j'ai eu la haine. J'avais la haine d'avoir fait comme eux.
Donc voilà, on reste des bonhommes avec sa raison, avec ses envies, avec sa folie, avec ses qualités, avec ses défauts. Donc que Allah me pardonne, que Allah me guide, que Allah me pardonne d'avoir fait du tort à ma famille, que Allah me pardonne d'avoir fait du tort à ma communauté. À tous les gérants de chicha qui, à cause de moi, ont vu leur fréquentation baisser. À tous ces rappeurs qui ont eu leur concert annulé parce qu'ils ont insulté le Maghreb. Donc à toutes ces personnes-là, je suis désolé de vous dire que je m'excuserai pas parce que je regrette rien. Et grâce à toute cette merde qu'il y a, vous allez pouvoir reprendre une activité normale. Je m'excuse envers toutes ces mères de famille qui parlaient de moi à leur enfant. Je m'excuse à tous ces frères qui étaient prêts à faire des kilomètres et bouger pour moi. Je m'excuse envers tout le monde. Malgré tout ça, je suis pas un enculé, je suis pas un enfoiré, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un qui est nia, je suis quelqu'un des fois qui n'a pas de cerveau. À cause de ma vanité, à cause de mon entêtement, à cause de n'avoir pas reconnu certains torts, Allah m'a fait payer cash. Hamdoulilah, hamdoulilah parce que j'étais trop perché. Hamdoulilah parce qu'il fallait que des choses comme ça arrivent pour que je prenne conscience de énormément de choses. Maintenant, le mal est fait, je regrette des choses. Il y a des choses que je regrette pas du tout. Hamdoulilah, ça m'a permis de connaître des gens, machallah, excellentissimes. Donc voilà, les réseaux sociaux, pour moi, c'est fini. Tout ce que vous pourrez voir sur Internet, c'est que des fakes. Et encore une fois, je vous le demande de toutes mes tripes à ces personnes-là, smahli. Donc revenons à l'essentiel, cet essentiel que j'ai laissé de côté pour ce virtuel-là. Prenez soin de vous, de vos familles. Salam alaikum, les gens.